Pendant qu'on peut soupirer, on a lu Exode chapitre 4, le verset 22. Exode chapitre 4, le verset 22. Alléluia. Verset 22 et 23. Après ça, nous allons lire Exode 12, verset 12. Mais on a commencé d'abord, eh bien, avec, eh bien, Exode chapitre 4, verset 22. En nous toutes lire ensemble. Préparez-le pour mettre en créole tout. En nous toutes lire ensemble. Lydie, qui ça? Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Et puis, en nous lire ensemble. Lydie, qui ça? Je te dis. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Regardez. On va relire le verset encore, on va relire dans l'autre genre. Remettez la première partie verset pour moi. On va relire dans l'autre genre. On nous lit encore. Tu diras à Pharaon. Et si par l'Éternel, au lieu d'Israël, ou bien dit non, ou bien dit non, ou bien dit non, ou bien dit sept fois, ou bien dit sept fois. En nous lire ensemble. Tu diras à Pharaon, Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Grégory est mon fils. 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 Moi, dis Grégory. Est mon fils, moi je dis à Grégory, est mon fils, mon premier-né Pharaon, mon premier-né. Je te dis, qui t'est malé, qui t'est passé, qui t'est privé, sous barrette, les papes pour vous, sous bloqué, les papes pour vous, sous tes pieds, les papes pour vous, sous café de vote. Je te dis, Grégory est mon fils. Akarabakati, ayakarababaye, yekele moshatababaya, rababakatabaya, laisse aller. Mon fils, laisse aller, mon fils. Tenez, nous connaissons maintenant un temps de jeûne personnel. Nous te dis, nous croyons que Mbakadine nous tout bagaille, que l'Éternel te dit, keep it there. Mbakadine nous tout bagaille, que l'Éternel te dit, dans une seule nuit. Mais yon, nous te dis, de temps, ça t'a partagé un petit bagage avec vous. Yon bagaille que l'Éternel te dit, à peu près 3 jours après me finir jeûne, à peu près 3 jours me finir jeûne, l'Éternel te dit, comme ça, dans l'année 2019, pour l'entrée 2020, il dit comme ça, libéral passé avec tabernacle de gloire, n'a passé de l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. Cherchez cette bonne parole, on passe pas de l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. Toute nuit qui bral vini à bral d'or. Douce soirée, ça bral d'ose. Douce moment, ça y a bral d'ose. C'est bral 12 nuits de prière. 12 nuits de prophétie. 12 nuits de présence de Dieu. 12 nuits de gloire. Quand on bral passer de l'esclavage. De l'esclavage. Dis gloire. Ou même chita rapide. Assoyez-vous, pape. Assoyez-vous, pape. Enseignez. Assoyez-vous, pape. Prêchez.
mais assoyez à m'bral prophétiser. Vous m'entendez ça, m'abdou là, là. M'bral prêcher, m'bral enseigner, mais m'bral prophétiser. M'bral faire des déclarations sous la vie. Ou. Et puis pendant que vous recevez parole ça y est, tant que vous avez une semence qui tombe dans la vie. Ou. Et là, vous tombez dans la vie, vous avez le pot de fouille, vous avez le pot dans la vie, il y a des résultats. Là, vous tombez dans la vie, il y a pas fleuri. Aïe, 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 moi, tout comme ça, année esclavage, année Égypte, année la caille pharaon, à passer la mille. Moi, tout comme ça, l'éternel dit, de 2019 à 2020, dans 2019, vous êtes dans l'esclavage, mais pendant que vous traversez pour une nouvelle année, vous allez traverser à l'église. Moi, dit de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage. Bon, Dieu. Bon, moi, si je vais expliquer rapidement, ça me plaît dire. Et puis, pour me déclarer, pour me faire quelques déclarations prophétiques sur la Bible. Oh, yes. Alléluia. Oh, Lord, help me here. The presence of God is so heavy. I don't even know how to stop. Hey! Takarabasikede. Bah, l'éternel applaudit. L'éternel est là. L'éternel est là. Toute l'église là c'est du feu, parce que l'éternel est là. L'éternel est là. L'éternel est là. Toute l'église là c'est du feu, parce que l'éternel est là. Oh. L'église là c'est du feu, parce que l'éternel est là. L'éternel est là. L'éternel est là. Toute la vie moi c'est du feu. Toute la vie moi c'est du feu, parce que l'éternel est là. Toute la vie moi c'est du feu. De la Bible, toute l'histoire de la Bible, qu'a résumé dans trois mots, de Genèse à Apocalypse, ou qu'a résumé toute l'histoire de la Bible en trois mots, génération, dégénération, régénération, génération, dégénération, régénération. Génération signifie création. Comment bon Dieu crée les cieux et la terre. Soit abli la Bible dans King James Version ou bien Darby, ou après Genèse, chapitre 1 et puis chapitre 2 dit, voici les générations des cieux et de la terre. Ça veut dire, voici les origines des cieux et de la terre. Genèse chapitre 1 et 2 montre aux origines la terre. Et origine les hommes. Dans Genèse chapitre 3, qu'on bagaille qui rentrait et puis commencer dégénération. Tout bagaille commence à dégénérer dans Genèse chapitre 3. Le péché entré. De Genèse chapitre 3 jusqu'à Genèse chapitre 11, c'est dégénération. Genèse chapitre 3 montre dégénération de l'homme. Adam tombé dans le péché. Genèse chapitre 4 et 5. Montrer dégénération de la famille. Caïn tué Abel propre frère. Et pour garder dans chapitre 5, tout le monde a mouru. Genèse chapitre 6 à 9, montrer dégénération de la société. La société devient tellement terrible que bon Dieu obligé de voir un déluge. Genèse chapitre 10 et 11, montrer la dégénération des nations. Parce que Genèse chapitre 10 présentait la table des nations et Genèse chapitre 11 montrait que nation est tellement corrompue, bon Dieu obligé de descendre, créer là et mettre la tour de Babel, effacer ou disperser à travers le monde.
Genèse génération, dégénération. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, le plan de régénération commence. Comment le plan de régénération commence? Dans Genèse chapitre 12, pour durer longtemps. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et puis il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dans Genèse chapitre 12, le plan de régénération du monde commençait avec un homme. L'Éternel relait un homme avec un homme sale pour faire une nation. Il relait un homme qui relait Abraham avec lui pour faire une nation qui relait Israël. En tant que nation, ça a un autre homme qui pourrait sortir qui relait Jésus. Car le salut vient des Juifs. Et non, ça va recréer une autre nation qui est l'Église. Et puis l'Église même va établir le royaume de Dieu sur la terre. Et puis il va prêcher la régénération à travers le monde. Et Christ vient pour le venir. Il vient chercher son Église glorieuse. Et puis il fera une belle noce avec elle dans le ciel qui est les noces de l'agneau. Ou qu'à résumer toute l'histoire de la Bible en trois mots saillants. Génération, dégénération, régénération. Mais pour bon Dieu, tu as commencé le plan de régénération. Comme moi, il faut te relayer un nom qui relaye Abraham. Et puis avec Abraham, il va faire une nation. Donc, il relaye Abraham. Il relaye Abraham. Et puis Abraham, il fait une promesse. Il dit, va-t'en de ton pays. Je ferai de toi une grande nation. Abraham, suit monsieur. Abraham, tend l'Éternel pendant des années. Il était 75 ans. L'Éternel fait la promesse là. Libral vient petite là à 100 ans. Donc il fait 25 ans à attendre l'Éternel. Il tend l'Éternel pendant des années. Et puis il vient faire petite qui est Isaac. L'Elvin fait Isaac. Quand il y a Isaac, lui-même, Libral marié. Et puis il va le bailler un homme qui est Jacob. Jacob lui-même, qui ça le bral fait? Libral fait 12 petites. Qui va tourner 12 tribus. Et 12 tribus, ça, même Jacob, c'est lui qui va aller Israël. C'est lui qui va aller Israël. Donc, lui, il fait 12 petites, qui va aller 12 tribus d'Israël. Il y a une famine en Israël. Il y a un problème en Israël. Il y a une tête chargée en Israël. Côté les gens pas à manger. Eh bien, famine, ça, qui t'est multiplié, qui a été 70 personnes, de 12 personnes à 70 personnes, eh bien, ils ont entré en Égypte parce que ils ont été grand goût. Là, ils arrivé en Égypte, ils ont été à Gozen, côté y a bien mené. Y a bien mené à Gozen, sous le règne de Pharaon. Mais la Bible dit comme ça, avec le temps, qu'on l'autre Pharaon qui vient lever, qui pas connaît Joseph. Et là, regardez, lui, peuple ça a multiplié. D'évangile. Li wè peuple a multiplié d'évangile. Li dit qu'on sa peuple sa kap multiplié ya. Représente yon menace pour nous. Peuple sa kap multiplié ya. Pharaon dit qu'on sa représente yon menace. Est-ce qu'on connaît représente yon menace pour Satan le diable? Est-ce qu'on comprend ça? Ou représente yon menace pour Satan le diable? Quelquefois ou bral nan ti l'église ou a fait ti travail ou comprenne men ou bral l'école ou pas nan business moun et pour wè gen moun ki campé contre ou wè diable la pa vle wè ou elle vle sa di kol krazo parce que li wè yon bagay nan ou. Est-ce qu'on connaît ça m'a dit? Parce que ennemi. Donc Pharaon quand yon bagay nan Israël, li dit si peuple ça, yon jou pou valè moun wè yo gen, si gon jou, yo levé campé contre nous, n'a perdu bataille. Donc il dit comme ça, eh bien, on nous lever camper contre le peuple là. Quelquefois, ouais, Satan attaque. Satan pas attaque pour son gagner kounya. Satan attaque pour sa loi pour gagner pita. On va attendre ça m'a dit là, non? M'bral jou. Quelquefois, Satan attaque. Ou m'a dit, mais ça fait diable attaque. M'gen problème. Pas gagner qu'à marcher pour moi. L'école là pas marcher. Santé m'a pas gagner. L'aime garder là, m'a pas gagner là même. Pour qui ça, Satan pas le chercher l'autre target? Pour qui ça, pas le chercher l'autre monde? C'est parce que Satan pas garder le présent. Pharaon a gardé qui koto bralé. Et puis le gars t'a senti. N'a mis ta problème, yo gon destiné. N'a mis ta tête chargée, yo ou gon destiné. N'a mis ta soir passé, li senti ou bral rive yon côté. Sou comprendre ça m'di a dit gloire. So Pharaon dit comme ça. Eh bien, qui ça nous oblige? Fait nous obliger à
attaquer le peuple ça, parce que si vous levez contre nous, ils sont capables de détruire nous. Et puis la Bible dit comme ça, qui ça a commencé à faire? Et puis ils ont commencé à faire travail Israël pidu. Ils ont commencé travail Israël pidu. Ils ont construit rivière, ils ont construit canal, ils ont travail dans les champs, ils ont travail mortier, etc. Nous t'appelions historien après-midi à côté y a dit travail égyptien yo, ils étaient tellement dû. Et bien que dans un seul canal que yo t'a construit 20 000 moun tombé mourir dans canal là, 20 000 moun mourir dans canal là. Les yon en bas du feu à sous tête yo, chaleur, yo pas bien manger, y a poté poids, 20 000 moun mourir en seul coup. Gon l'autre historien qui dit 150 000 moun mourir en seul coup. Donc les pharaons paraît, li vini le bayo travail dû, c'est pour décimer peuple là, c'est pour détruire peuple là, c'est pour craser peuple là, c'est pour éliminer peuple ça. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit? Et puis pendant Israël a souffri, pendant Israël a passé misère, pendant Israël a poté bloc, pendant Israël a brassé mortier, pendant Israël a fait canal, pendant Israël en bas soleil, pendant Israël a soué, et puis la Bible dit qu'on s'agonne qui naît, qui relève Moïse. Et puis pendant le peuple a travaillé dur, et puis l'Éternel paraît dans le désert. Est-ce qu'on entend ça, m'a dit là? Levez-moi, on a dit l'Éternel paraît. Dis l'Éternel paraît. Dis l'Éternel paraît. Pendant que yon dans le désert, pendant Moïse dans le désert, regardez le yon buisson. Yon buisson, yon un petit pied bois, et bien qui prend du feu. Même j'en saute à chanter à la. La loi de l'Éternel, Théova, descend sous mon Sinaï. Montagne là, te prend du feu, parce que l'Éternel est là. Et bien pendant monsieur sous mon Sinaï, et puis le garder comme ça, li yon petit pied dans le désert là, li yon petit buisson ardent. Et puis le du feu là, du feu là dans le pied bois, mais il pas consumé. Parce que du feu le wè, c'est pas qu'on du feu normal, c'était la gloire de l'Éternel qui était manifestée tant qu'on du feu. Est-ce qu'on a des samedi dit là? Quand on chita là, dans le monde physique, moun pa wè du feu, même dans le monde spirituel, moun ki malfecte, ou pas de samedi dit là, moun ki malfecte, moun ka vole louga ou, si yo gade je ou yo wè du feu, yo gade main ou yo wè du feu, yo gade pied ou yo wè du feu, yo gade cheveux ou yo wè du feu, ça fait ça la gloire de l'Éternel manifestée. Tu comprends ça dit gloire? Regardez le voyant du feu qui prend pied bois. Et puis du feu n'a pas boulé pied bois. Parce que du feu n'a pas tout du feu normal. C'était la gloire de l'Éternel qui était manifestée. Les îles m'arrêtent dans un feu ardent. Et puis la Bible commence par curiosité. Moïse paraît pour la regarder. Pour voir comment fait pied bois prendre du feu. Et puis il n'a pas consumé. Comment pied bois fait du feu. Et puis il n'a pas cancané. Comment pied bois fait du feu. Et puis il n'a pas incendié. Comment pied bois fait du feu. Et puis il n'a pas tout incendie. Et puis pendant le bras le garder. Et puis c'est même moment. Pendant la avancé, l'étendon voix qui dit Moïse, Moïse. Lire les monsieur deux fois et puis relève le par nom. N'aime me rappeler à soya que l'Éternel compte nom, l'Éternel compte dossier, l'Éternel que baptiste, l'Éternel compte. Lire les Moïse. Lire les. Il dit Moïse. Il dit enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, parce que la gloire de Dieu dans place là, la gloire de Dieu dans lieu là, la gloire de Dieu dans espace là, son espace qui saint. Mes amis, la gloire de Dieu dans la caille où le saint, la gloire de Dieu dans la cuisine où le saint, la gloire de Dieu dans la chambre où le saint, la gloire de Dieu dans l'église où dans le corps, dans l'office où dans. Levez-moi, elle dit gloire. Il dit enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et puis après l'Éternel vient faire monsieur retirer souliers. Ça veut dire poursuivre les protocoles du royaume. Parce que l'Éternel c'est un roi que lié. L'Éternel son chef d'État. L'homme va rencontrer le rencontrer longtemps. L'homme va rencontrer la reine Elisabeth. Ou pas capable de montrer l'emporte pour longer même aller. Ou comprendre moi? Ou pas habiller même gens. N'importe gens. Ou pas mettre collègue n'importe quoi. Parce que qu'on protocole. L'homme va rencontrer un roi. Donc puisque l'homme va rencontrer le Seigneur des Seigneurs, il dirait souliers. Parce que mon protocole pour abonger. Il fait monsieur. Est-ce qu'on a des gens là? Il fait monsieur suivre protocole là. Après monsieur fin suivre protocole là. Et puis l'Éternel introduit tête. L'Éternel dit Moïse, il dit je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
l'Éternel introduit tête lié pour Moïse capable de connaître qui est-ce que lié. Parce que Moïse t'a fait un pile temps en Égypte. T'es qu'un faux Dieu en Égypte. T'es qu'un Dieu soleil en Égypte. T'es qu'un Dieu la lune en Égypte. T'es qu'un Dieu cabrite en Égypte. T'es qu'un vaudor en Égypte. Donc l'Éternel introduit tête lié. Pour dire ça, c'est parti Dieu. C'est parti diable racial. C'est parti bakayo. Yo connaît servi. C'est l'Éternel qui descend là. Sous ta descente, la dit gloire. L'Éternel introduit tête lui. Il dit je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je suis Yahweh. Je suis Yahweh, le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Come on, worship team. Nous sommes team chanté. Alléluia. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are Yahweh. Sing it again. You are Yahweh. Hey, hey, hey. Omega and Omega. Omega. Hey, 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 hey. You are Yahweh. Omega. Alpha and Omega. Hey, hey, hey. Who say? Dieu de ta père,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est moi qui parais pour vous aujourd'hui. Et puis, Kounia, Moïse répond, il dit, Seigneur, merci parce qu'on introduit tout, merci parce qu'on m'a nom, merci parce qu'on m'a signature, merci parce qu'on montre l'identification. Et bien, Kounia, il dit comme ça, puisqu'on c'est Yahweh, ou c'est l'alpha et l'oméga, ou c'est le commencement et la fin, Moïse posait l'éternel en question, il dit l'éternel, puisqu'on c'est Yahweh, et puis Kounia décide pour vous, parce qu'il dit, je suis l'éternel, je t'envoie à Pharaon. Il dit comme ça, eh bien, qui ça? Je me dis Pharaon, est-ce qu'on t'a laissé me dire? Il dit, je suis l'éternel. Il dit, je suis l'éternel. Attendez, oui. Il dit, je suis l'éternel. Il dit, le Dieu de tes pères. Et puis, après, il finit de dire ça. L'éternel dit, mes identifications. Après ça, l'éternel dit, mes missions. L'éternel dit, j'ai vu, alléluia, les souffrances de mon peuple. Alléluia, j'ai entendu les cris que les font pousser ces oppresseurs. Et puis moi même pas dit ça, moi même pas dit ça. Attendez, oui, parce que Moïse était en Égypte, Moïse était en Égypte, en Égypte qu'on pas qu'être bon Dieu. Yo gagé mais yo pas kawé, yo gagé oreille mais yo pas attendre, yo gagé bouche mais yo pas parler. Mais l'Éternel dit Yahweh, l'Éternel dit Yahweh, l'Éternel dit Yahweh, l'Éternel dit Yahweh, les différents. Moïse, nous sommes habitués avec Dieu en tôle, nous sommes habitués avec Dieu en bois, nous sommes habitués avec Dieu en papier, nous sommes habitués avec Dieu en bronze, nous sommes habitués avec Dieu en or. Mais moi-même, pas une dans Dieu, ça y est. Je suis l'Éternel, je suis Yahweh, le Dieu de ta père. J'ai vu bien, j'ai pour moi les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que la faute vous est cette oppression. Et puis l'Éternel dit, attendez ça, l'Éternel dit, je suis détendu. L'Éternel dit, je suis descendu. Il dit, dossier est tellement important. Quel dossier va régler? Ou voyez, ont délégué à régler le dossier. Mais bon, c'est quel dossier va régler? C'est où déplacer ou même à régler à faire. Parce que c'est tellement important. Oye, ta, réveillez-vous, beaucoup de chata. Il donne l'éternel à dire. Dans 12 nuits, t'as fini. Dossier par là. C'est pas Michael qui a fini régler. C'est pas Gabriel qui a fini régler. C'est pas Archange qui a fini régler. C'est pas Chérubin qui a fini régler. C'est lui-même qui a descendu. Tiglo! C'est Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Dis où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Dis où c'est Yahweh? L'Éternel fait une présentation tête à Moïse. Et puis il dit l'Éternel, il dit le mec qui mission m'a gagné, c'est que j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Et puis il dit qu'on y a me descend. Et puis il dit me voyez, ou à pas représenter devant le peuple d'Israël. Et puis Moïse posait l'Éternel en question. Et puis il dit l'Éternel, puisqu'on ouais, puisqu'on tendait, puisqu'on descend pour délivrer le peuple là et pour voyer, pour me parler le nom, il dit l'aime river devant Pharaon, l'aime river devant Pharaon, l'aime river devant Vagabond, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple captif là, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple prisonnier, l'aime river devant Moun, qui aime le peuple dans l'esclavage là, qui ça m'a dit?
L'Éternel dit dans Exode 4, verset 22. Il dit l'ange, il dit mais qui sont va-t-il? Wabadili, et si par, et si par, et si par. Comprends bien, c'est pas ami ou qu'a parlé, c'est pas frère ou qu'a parlé, c'est pas cousin ou qu'a parlé, c'est pas bon père ou qu'a parlé, c'est pas petit partenaire ou qu'a parlé, c'est mon nègre quand son chiré qu'a parlé là, ainsi parle, ainsi parle l'Éternel. Et puis il dit yon bagaille, Pharaon en kako pas koné, you didn't know who you were messing with. Ou pas contre qui est sous ta pommette, ou pas contre qui est sous ta piétine, ou pas contre qui est sous ta marche sous fiel, ou pas contre qui est sous ta marche sous biscuit. Si peuple ça a pour t'appeler de faire travail là, si peuple ça t'appeler de faire corvée là, si peuple ça ou te mettre en esclavage là, si peuple ça t'a fait travail, son pas payé là, bonne fois qu'on est qui est lié. L'idée Israël, l'idée Israël. L'idée Israël, l'idée Israël, l'idée Israël, l'idée mon fils, dis mon fils, dis mon fils, l'idée mon fils. En d'autres termes, l'idée comme ça, Israël, dans mon cœur, ça c'est français. Dis Israël, c'est petit moi. Dis Israël, dis Israël, Israël, Israël. L'idée comme ça, regardez, petit peuple ça. Quand t'as piétiné, quand t'as tout fourné, quand t'as passé en papier, c'est pas n'importe qui peut l'idée. Maintenant, carrément comprendre qu'en Israël, t'es un pile différent peuple qui était dans l'esclavage. La Bible dit les Israël a sorti d'Égypte. Il y avait les Israélites. Et puis la Bible dit une mixed multitude, une multitude mélangée. Cela veut dire que ce n'est pas seulement Israël qui était dans l'esclavage. T'es un paquet d'autres nations qui était dans l'esclavage tout. Ils ont fait passer misère. Ils diront ça grand. Gampi l'autre nation ou a passé misère. Gampi l'autre nation ou a piétiné. Gampi l'autre nation ou a passé en papier. Gampi l'autre nation ou a malmené. Mais il dit peuple ça. Il dit peuple ça. Qui est l'Israël là? C'est pas tant que l'autre nation. Gen moun ka fleto. Même j'avais n'importe monde. J'avais la monte sous vous. Même j'avais n'importe monde. La babroche. Même j'avais n'importe monde. Et puis la monte sous récif. Parce qu'on a prophétie. Sous tête tout. Dis gloire. Bon, moi si m'a fini, Dis Pharaon, Israël est mon fils. Maintenant, comment qu'a fait Israël mon fils? Dit, expliquez Pharaon. C'est esprit même moi te fait. L'aime ta bral fait nation ça. M'choisi yon nom qui pas de café petite. À 100 ans. Ah, on va comprendre ça, Mathieu là. À 100 ans, pas de la vie encore. Je dis à 100 ans, pas de la vie encore. À 100 ans, pas de vigueur encore. À 100 ans, pas de force encore. À 100 ans, pas de sperme encore. Et puis, je cherche une femme qui déjà fait une ménopause, qui n'a pas ovulé. Je cherche un homme qui va faire petite. Et puis, je cherche une femme qui va faire petite. Et puis, je mets ensemble. Et puis, je fais petite. En d'autres termes, petite qui est faite là, il n'est pas sorti ni d'Abraham, il n'est pas sorti ni de Sarah. C'est dans moi. Où c'est Yahweh? 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 Ya 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 ya! Où c'est Yahweh? Aya, Alpha et l'Omega. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha, Alpha et l'Omega. Je sais pas où c'est Yahweh. Ou a expliqué à Pharaon que Abraham pas de gène, Abraham pas de sperme,
Abraham pas de semence. Yon nom à 100 ans, li pas de semence dans li. Ça veut dire Abraham, semence li gagné qui te fait le fait petit là. C'est pas dans Abraham qui te sorti, c'est dans moi qui te sorti. Donc moi, est-ce qu'on va laisser en tout là? Moi, déposé Abraham, semence dans Abraham. Donc Abraham a porté la semence. Eh bien, Isaac lui-même lui passe semence là. Et puis Jacob lui-même lui multiplie semence là. Et puis Joseph allait en Égypte lui préserver avec semence là. Alléluia. L'arrivée en Israël encore. Et puis en Israël, lui transforme semence là. En Égypte, semence là transformée en nation. Donc, il dit nation ça. Il dit nation ça. Il n'y a pas n'importe nation. Il dit Israël. Il dit Israël. C'est mon fils. Il dit Israël, c'est petit moi. Israël, c'est petit moi. Israël, c'est petit moi. Et puis, quand il y a regardé verset 23, nous sommes là. Il dit ainsi par. Eh bien, Israël est mon fils. Et puis, il dit comme ça, laissez aller. Il dit, laissez aller mon fils. Donc, il dit comme ça, mais qui sont abattis à Pharaon, ou abattis à Pharaon, gardez Pharaon, quittez petit moi. Est-ce qu'on a des samadhiens là? Quittez petit moi. Aïe, 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 aïe. Quittez petit moi. Quittez petit moi. Il dit si Pharaon qui te petit de moi. Qui te petit de moi. Qui te petit de moi. Il dit Pharaon, peuple sort là. C'est pas petit vagabond, c'est pas petit monde, sa maman. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? C'est pas petit misagado, c'est pas un peuple qui va bon Dieu. C'est dans moi qui sorti. Qui te peut moi. Qui te petit de moi. Qui te petit de moi. Qui te petit de moi. Donc il dit qu'on s'avoir devant Pharaon et pour dire ça. Et puis l'heure arrive devant Pharaon, il bail Pharaon message là. Et puis Pharaon dit comme ça, qui est-ce bon Dieu ça? Qui est-ce bon Dieu ça? Qui est-ce qui a ouvert? Qui est-ce qui a ouvert pour me t'attendre des voiles, pour me laisser Israël aller? Et puis l'Éternel dit comme ça, ou dit qui est-ce qui a ouvert? Ou bral connaît, ou bral connaît, qui est-ce qui a ouvert? Il dit bral frapper Égypte. De t'y plaire et pour bral connaît qui est-ce qui a ouéa puisque ou pas contre qui est-ce qui a ouéa m'bral identifier et puis l'Éternel commence à frapper Israël de toute qualité plaie. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là le parce que petit bon Dieu t'es dans esclavage pendant longtemps. Petit bon Dieu t'es qu'un 10 ans, t'es qu'un 20 ans, t'es qu'un 100 ans, t'es qu'un 200 ans, t'es qu'un 300 ans, t'es qu'un 400 ans d'esclavage. Et puis les délivrances là sonné. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit les délivrances t'es sonné, les délivrances t'es sonné, les délivrances à tes sonné. Est-ce qu'on t'a dit ça en tout là? Chaque monde bon jour pour les délivrances ou sonné. Chaque monde bon moment pour les délivrances ou chambé. Chaque monde bon année. 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 Pour les délivrances ou sonné. Si vous savez, Yahweh, vous savez. Et puis on va laisser petit moyen aller. L'Éternel frappe Égypte. Il commence à frapper Égypte de toute qualité plaît. Il frappe glo Égypte. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a tout là là? Il frappe glo Égypte. Et puis il fait glo Égypte tourner sang. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a tout là? Et puis il dit qui t'es petit de moi? 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 Il frappe poussière. De l'Égypte et puis il fait poussière pays tout n'est pour et puis tout pour sous tout le monde et puis il dit qui t'es petit de moi, qui t'es petit de moi, qui t'es petit de moi. Il frappe les animaux du pays et puis tout animaux y ont commencé à tomber raide. Cabri tombé raide, bœuf tombé raide, chef tombé raide. Il dit qui t'es petit de moi, qui t'es petit de moi, qui t'es petit de moi, qui t'es petit de moi. L'Éternel longe même dans le ciel là, il frappe le soleil là, et puis le soleil là vient tout noir, et puis il fait blackout sur tout le pays. L'Éternel dit qu'il est petit de moi, qui est petit de moi, qui est petit de moi, qui est petit de moi. L'Éternel longe même sous le nuage, et puis il frappe le ciel là, et puis l'aura éclate sur tout le pays. L'Éternel dit qu'il est petit de moi, qui est petit de moi, qui est petit de moi, qui est petit de moi.
l'Éternel frappait les premiers-nés de l'Égypte, inclus le premier-né de Pharaon. Et puis Pharaon met deux mains en tête. L'Éternel dit, qu'il débite de moi. 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 Quand on a commencé à prophétiser sous la vie, entendez l'Éternel dire comme ça, moment esclavage ou a fini, saison esclavage ou a fini, temps esclavage ou a fini, moi esclavage ou a fini. Entendez l'Éternel, l'Éternel dit, tant pour pas aller, il t'a dit ton frappe soleil, tant pour pas aller, il t'a dit ton frappe jardin, tant pour pas aller, il t'a dit ton frappe de l'eau. Tant pour pas aller, il t'a fait de frapper tout pharaon qui va rien. Parce que petit moi doué. 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 L'étip peuple ça. L'étip peuple ça. A passé dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A porté bloc dans l'esclavage. L'étip peuple ça. A boitier mortier dans l'esclavage. Li dit peuple ça, a fait ciment dans l'esclavage. Li dit peuple ça, a planté du matin au soir dans l'esclavage. Mais ouais, peuple ça qui dans l'esclavage là, destiné, c'est pas esclavage. Hey, futur, c'est pas esclavage. Demain, c'est pas esclavage. Appelle-les à esclavage. Quel que soit son même à passer aujourd'hui, moi, il faut qu'on est. C'est pas destiné, moi. C'est pas futur, moi. C'est pas là, ma prête. Nous avons passé un moment difficile. Oh, alléluia. Nous avons passé un moment difficile. Mais ma situation n'est pas ma destination. Vous ne pouvez pas faire tout là. Moi, il faut qu'on est. Situation, pas destination. Les dit peuple, ça, qui est dans l'esclavage, là. Les mettent à passer misère dans l'esclavage. Mais ils ont un bel pays. Li gon bel pays, Captain ni, li gon Canaan, Captain ni, gon côté où coule le lait et le miel, Captain ni, li na esclavage, mais il doit aller pour l'héritage li et pour arriver dans l'héritage li. Pharaon, 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 qui te petit moi, 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 qui te petit moi. Cherchez sept bouts de baillot la main encore. Dis de l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. De l'esclavage à l'héritage. 31 décembre. Alléluia. 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 31 décembre. Bon bagage spécial qui va le passer. Moi tout 31 décembre. Bon bagage spécial qui va le passer. 31 décembre. Bon sonnette. Bon trompette qui va le sonner. 31 décembre. Bon cloche qui va le sonner. 31 décembre. Bon brique qui va le faire. 31 décembre. Quoi passer? Moi dis de l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage. Il dit qui t'es petit moins aller pour yon ka entre dans l'héritage. Qui t'es petit moins aller pour yon ka entre dans destinée. Qui t'es petit moins aller pour yon ka entre dans demain. Qui t'es petit moins aller. Pour yon carré, aller, rive côté brelé pour aller. Sous recevoir, dis-moi recevoir. Shekinah app. Téléchargez-le, Kounia.